propos de nouvelle vidéo pour la review du set 70675 Katana 4-4 de Kai. C'est un set de la saison 11, sorti le 1er juin 2019, voilà. Qui est composé de 5 figurines, et on va tout de suite passer maintenant aux figurines. Alors, nous revoilà. Alors déjà, on commence par Kai, le ninja du feu. Qui a un nouvel imprimé sur le dos et devant. Toujours les mêmes katanas et une petite épaulette. Et les nouvelles épaulettes. Alors en dessous, c'est toujours les mêmes imprimés que 2017 dans le film Lego Ninjago Movie. Voilà. Après, on va passer à Nia, maîtresse de l'eau. Et en tenue FS. Voilà. S'il ne me trompe pas, voilà, toujours les mêmes imprimés depuis le film. Si je ne me trompe pas, sa tenue n'est pas exclusive, mais sa cagoule est exclusive à ce set. Parce que je crois que la tenue Nia, on peut la retrouver en tenue normale dans l'ultime QG des ninjas. Et bien sûr, vu qu'elle est en tenue FS, on a son petit spinjitsu de l'eau. Alors comme on peut voir ici, on a deux attaches. Voilà, on a deux attaches où on peut mettre les pieds. Et voilà, on peut mettre les pieds comme ceci. Et on peut le faire tourner. On peut la faire tourner comme ceci. Là, je ne veux pas la faire tourner trop parce que j'ai pas envie de retomber les pieds au serpent. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer au méchant. Alors, ici, on a un pyro slayer, c'est-à-dire pyro tueur, si je ne me trompe pas. Voilà, en fait, il a, en plus, c'est transparent. Ici, on peut très bien voir le feu. Sa tête est bien détaillée. Son corps aussi, très bien détaillé. Et ses armes, c'est un bouclier, une espèce de lance ou un truc comme ça. Voilà. Après, on a un pyro waiter, c'est-à-dire pyro fouet ou un truc comme ça. Alors ça, c'est le corps, c'est le même imprimé. Alors sauf que ceux-là, ils sont composés d'une armure et d'une tête. Voilà. Et il y avait un fouet, voilà. Du coup, c'est un peu le même truc, le même principe. Enfin, pas le même principe, mais le même imprimé. Alors ici, on part à Char. Je sais pas trop sa prononciation. Il faut que je n'ai pas regardé la saison 11 en anglais ou en ukrainien, parce que j'ai pas envie de me spoiler, voilà. Alors ici, on peut voir que c'est la même tête que celle-là. Sauf que celle-là, elle est en noir. Voilà, celle-là, elle est en noir. Alors on peut bien, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est rouge transparent. Après, en dessous de l'armure, on a un petit foulard avec des inscriptions. Et c'est la même armure, de toute façon. Voilà. Avec sa petite arme serpent. Après, dans ce set, on a aussi un porte pour le parchemin des figurines de ce côté-ci. Alors ici, on a pour le parchemin du Spinjitsu interdit, on a un petit, comment ? Un petit, pas un petit, un truc pour poser, voilà. Je vais pas la faire lentement. Alors ici, on peut voir des inscriptions, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais même pas si ça veut dire un truc, je pense que ça veut quand même dire un truc. Alors on le met comme ça en fait, genre on le passe et puis on le ressort que de l'autre côté. Et on a un petit pupitre, on va dire ça comme ça, ou qu'on peut poser ici, dedans. Évidemment, vu qu'il y en a plusieurs, on a les autres ici. Voilà, que je n'ai pas encore détaché, je pense que je détacherai pas, parce que les deux là on peut les avoir. Enfin, lui je sais, mais celui-là j'ai pas trop regardé les 7. Enfin, j'ai regardé, mais j'ai pas fait trop attention au parchemin. Alors là, on a parchemin du Spinjitsu en glace, et voilà, je connais pas trop. Alors maintenant, évidemment, on va passer au 4-4 de Kai. Il est assez grand quand même, je sais pas trop combien il fait. Je mettrai peut-être ça dans la description, j'ai bien dit peut-être, voilà. Alors déjà, il est assez grand quand même, on peut le remarquer, surtout les réacteurs. Alors on va déjà commencer, alors déjà on voit qu'il a deux roues ici, enfin deux roues, bah oui c'est logique, il y a deux roues et deux roues à l'arrière, je suis un peu bête moi. Mais on a des réacteurs, des gros réacteurs quand même, qui font bien quand même 4-4, voilà. Alors ici on peut, les flammes peuvent tourner, voilà. Et le drapeau peut tourner un peu comme si le drapeau faisait avec du vent. Il y avait du vent. L'arrière, on peut voir qu'il y a un coffre ici. Et que le coffre, on peut ranger les différentes armes qu'il donne. Voilà. Alors le coffre se lève comme ça. Et il y a
un katana, des espèces de trucs comme ça, voilà. Plein de petits trucs comme ça. On a ça, on a ça, et puis on a des trucs comme ça, voilà. Je viens de perdre l'autre. Ah, il est là, il est passé juste en dessous. Et on peut mettre, on peut faire asseoir un personnage ici, genre par exemple Mia ou un truc comme ça. Je suis en train de travailler sur un brick film, voilà. Et normalement, il y aura une intro dans cette vidéo. Alors déjà, on peut très bien voir que le cockpit se lève comme ça. Et dans le cockpit, c'est assez bien détaillé quand même. Voilà, on a quand même des petites manettes. Le truc là est articulé. Et ce que j'aime bien dans ces véhicules, dans ce véhicule, c'est que on peut quand même laisser le katana ici et le mettre comme ça, même s'il a un katana. Je vais lever la caméra pour vous montrer. Et regardez, on peut très bien voir que Kai est bien mis dedans. Voilà. Et qu'on peut refermer sans aucun problème. On va le laisser dedans pour l'instant. Peut-être que je le sortirai à la fin ou je ne ressortirai même pas. Maintenant, on va passer au mécanisme à peu près. Là, en fait, alors on va passer au mécanisme de la scie circulaire, comme ceci. En fait, quand on va appuyer comme ça, regardez ce que ça fait. Ça sort la scie, ça fait tourner la scie. Je vais vous montrer le mécanisme. En fait, le mécanisme, c'est que, en fait, quand on fait avancer ça, ici, on peut très bien voir qu'il y a un petit rouage. Et le rouage va frotter sur ce bout de caoutchouc qui va faire tourner la scie. Voilà, c'est un mécanisme très simple, mais assez stylé, je trouve, quand même, parce que on peut bien, et elle tourne vraiment vite. On fait comme ça, et là, comme ça. Après, on va passer au mécanisme des missiles cachés. Si on veut en tirer un, on appuie juste ici. Genre, les missiles sont juste là. C'est des missiles à ressort. Et je reviens 2 secondes, fermer ma porte. Alors, voilà, ici, comme je disais, quand on appuie ici, on peut lancer un missile à la fois. Voilà. Et pour lancer le deuxième, on appuie ici. Et si on veut lancer les deux en même temps, j'ai fait. Ok, je reviens. Ouais, je vais chercher une scie, voilà. Et si on veut lancer les deux en même temps. Voilà, attendez, je recharge. J'aime trop les missiles à ressort, je trouve. Voilà, comme ça. Et si on veut appuyer les... Et si on veut tirer les deux en même temps, on a juste à appuyer au milieu. Et voilà, les deux sont tirés en même temps. Voilà, vous pouvez voir que les deux sont tirés en même temps. Alors, j'ai oublié de le dire, ce set coûte 50 euros, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai vu, voilà. Si je dois vous le conseiller, je vous le conseille, franchement. Parce que c'est quand même un bon set, et je pense que dans les bandes annonces, ou même dans les musiques de Sunfire que j'ai vues, je sais pas si vous le connaissez, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je ne connais pas, j'ai jamais vu en vrai, mais j'aime bien sa chaîne. Même dans les musiques, il est vraiment fidèle, je trouve. Il est vraiment fidèle, voilà. Et c'était tout pour cette vidéo. Je tiens à préciser que je suis en train de tourner mon brick film. Du coup, j'espère qu'il vous plaira. Et voilà. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas, Ninja Go!